Et tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester Horizon Forbidden avec, grâce à notre partenariat avec Love Games Geek qui nous prête gentiment le jeu. C'est parti, ne perds pas de temps. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. C'est parti pour le tuto. Le focus t'aide à repérer celles qu'il nous faut. Qu'est-ce que c'est beau! Je répète, je suis pas sur PS5, hein, je suis sur PS4 Pro. Et waouh, le jeu est super beau. Je vous ai zappé la cinématique pour pas vous spoiler. C'est parti. Ces plantes près du ruisseau feront l'affaire. Donc là, on est en plein de tuto. Alors, pour ce test, je vais du coup parler le moins possible. Et je vous mettrai après le test. Je mettrai un lien où je mettrai le test, mon avis, par écrit. Ça permettra de vous focaliser sur le jeu et qu'il n'y ait pas trop de blabla. D'instructions pour réparer le mur. Ça a l'air. Toujours en train de piller des carcasses de machines. Et elles sont. On dirait qu'elles ont laissé une carcasse. Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Allons voir ça de plus près. Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Mais on ne peut pas l'atteindre d'ici. On devrait pouvoir débloquer ça avec une flèche. Il faut juste viser le verrou. Ça a marché. Après toi. Par la déesse. Où est-ce qu'on est? C'est super beau. La transmission, il faut trouver une entrée. En forme. La Nielle ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. Quelque chose? Oui, des provisions. On descend. Dans les hautes herbes. Je n'avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ces machines mortes l'ont alerté. Comment tu veux procéder? Le focus nous aidera. Scanner la machine avant de l'attaquer. D'accord. Attends une seconde. Bon. Tu vois les parties qui brillent? De Pokémon. Ce sont ses points faibles. Compris.
Je suis prêt. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. On devrait pouvoir forcer cette porte. Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. C'est une sorte de prototype au sérum, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Allez. Alors, attracteur. Version améliorée d'un outil de ratisseur qui peut s'accrocher à des objets et les tracter. J'ai l'impression que ça va pas être simple de sortir d'ici. Je devrais pouvoir monter là-haut. Parfait. Ça fait quand même. Ça a marché. Cet attracteur est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Je me demande si on pourra jouer avec, avec le gars. Donc ça c'est des fans d'Assassin's Creed. Hein. Allez. Bon, je dois faire descendre l'échelle pour voir. Merci. Mon attracteur ne va pas jusque là-bas. Je dois me rapprocher. À l'aise. Les humains, les Homo sapiens, nous,
Nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith Lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith Lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivhumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, au milieu des étoiles. Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa. Pour leur colonie. Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver ? Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals. Chez Zénith Lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore... comment ? Alors, ce qu'il disait là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. Il y a un autre moyen. Bien. Du coup, en fait, c'est que dans le premier épisode, on cherche à comprendre l'univers dans lequel on évolue. Et on essaie de comprendre notre histoire, dans l'histoire de l'œil. Et là, dès le début, on nous dévoile le lore, en fait, donc le passé, donc peut-être notre futur. Hein. Et on doit aussi sauver le monde, parce qu'il y a une espèce de plante rouge, là, qui tue les animaux, qui tue... qui gangrène un peu le monde. Les animations. C'est ça la plante rouge ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être ce qui a tué ces.
Ah, les mobs dans ce jeu-là. Tu peux compter sur moi. Donc, comparé à Monster Hunter World. L'agneau me pique la gorge. On va voir si les animations sont mieux ou pareil ou moins bien. Là-haut. On va l'affronter. Attention, je tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. Tu prends celle de gauche, je m'occupe de celle de droite. Compris. Passer d'aller à Zeb. Je vais monter. Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance. Je dois pas me faire voir. Je ferais mieux de scanner pour vérifier son itinéraire de patrouille. Je peux jeter un caillou pour la distraire. L'attirer à un endroit où je peux l'attaquer discrètement. Je dois juste attendre le bon moment. Dans le cucu. Y'a pas chiché. Pas chiché. Trop bien trappé hein. Mais au moins le petit caca fait là. Ah, t'es pas coupé là. En fait, je voulais te dire, j'ai remarqué que t'avais un style différent. Ouais, je sais. J'ai pas pris le temps de me raser quand j'essayais de te rattraper. T'en fais pas, c'est temporaire. Tant mieux. Marguerite ? Désolé que mes moustaches t'offensent, élu. Marguerite ? Porte commandeaison. On dirait qu'il y avait une barricade ici. Des machines ont dû l'enfoncer. Je garde ça pour plus tard. Cet océram n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Espérons qu'un prochain pas périmé. C'est des pièges. C'est des pièges. On pourrait peut-être les désarmer. Regarde, j'ai pu récupérer du matériel. Essaie de pas te faire sauter. Je l'ai démonté. Et j'ai récupéré du matériel. Comprends pas. On dirait un autre camp. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges? Ça pourrait nous aider contre les machines. Bonne idée. Il y aura un établi, quelque chose comme ça, non? Ça peut me servir. Non. Des objets, des pièges. On va aller où là?
Ok. Il y a des éléments en plus, vous avez vu. Voyons quels sont ses points faibles. C'est comme le 1. On devrait peut-être fabriquer des pièges. Ça vous permettra de passer. Et celui qu'on avait. Ça m'a touché. Ça fait mal. Tu m'étonnes. Pas le temps de partir, ça pète ma gueule. Piège. Yo. Viens là. Bim. C'est bon. On peut continuer. Le gros serpent là. Ils ne viennent pas par ici. Hop là. Une grosse tempête se prépare dehors. Y a quoi d'être? Aloy, viens voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux les scanner avec ton focus. Alors... Des tas de glyphes. Ces données parlent d'une technologie qui je vais les garder pour les étudier plus tard. Avec toute l'aventure ou... Est-ce qu'on pourra jouer avec lui? Est-ce qu'on pourra... Est-ce qu'il sera comme Atreus? Est-ce qu'il sera un support? On verra. Ça marche? Oui. On ne va pas pouvoir passer par là. Par hasard. On passe par là. Il a fait chasse le coup. En même temps, il a 1000 ans. C'est bien parce que même si les. On dirait une sorte de salle de réunion. Les points attrapés sont jeunes. La... C'est tellement dense le niveau de détail dans les décors que on a du mal à les trouver quand même. Le système de terraformation d'Aube Zéro, la création du docteur Elisabeth Sobeck, alimenté par 9 fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube Zéro. Statut fait. Phase 2. La cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Aube Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque. La découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Aube Zéro conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole Hades. De plus,
Des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le docteur Sobek elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète est jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zénith lointain a volé Gaïa. À l'œil. Pourquoi cette femme te ressemble ? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle ? Parce que je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne ? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-Mère. Est-ce que c'était Gaïa ? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr ? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au Focus. En attendant, le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Si Gaïa prend la vie. Si Gaïa prend la vie. Affole pas. Tu vas comprendre. C'est bien en plus parce que le. Comme le 1, ça fait très longtemps en plus qu'il est sorti. Ah, et il y avait une extension aussi, je crois. À l'œil, par ici. Ça permet que de. Comment ça s'appelle le Varl? Varl, c'est un peu le joueur qui... Merci, Varl. Qui découvre l'histoire. Ça nous rappelle, ça nous remémore aussi les faits qui sont passés dans le 1. Après toi. D'ailleurs, Hadès, ce qu'il y avait dans les dossiers, c'est ce qui était le mal dans. Ben, dans le 1, quoi. Les fronts explosifs lancent des bombes, il y a une vaste zone d'effet. Ok. Comment je m'équipe de ça? Ça, c'est dans l'équipement. Wow. Oh, dégâts de... Ah là, je suis équipé là. Ah ok, faut juste... Ok. Ok, cool. On va tester la fronde. En bas. Je crois qu'on est proche de la sortie. Bien. C'est pour qu'on affronte le serpent là. Regardez, c'est sûrement la machine. Un gros coulet, ça. Encore une de ces machines. Je pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. Ben oui. Voilà, on va l'affronter et après on va faire le test. En train de manger pour Marmaille.
en train de manger. D'autres partisseurs au sérum. Et de l'acide partout. Cette grosse machine a dû les attaquer quand ils fuyaient. Ils n'avaient aucune chance. Tout le monde est mort avec l'acide. Et le venin du serpent. Tu as dit que cette copie était notre dernier espoir? Oui. Tous ces endroits où je suis allé ces derniers mois, il devait y avoir d'autres copies. Mais il y a 1000 ans, un certain Ted Faro les a toutes effacées. Il faisait partie de Zénith Pointin? Non. Il était pire. Sauf qu'on peut là-dedans. Waouh. Ce gros machin de métal ressemble aux vaisseaux qu'on a vu dans l'auditorium. D'autres sérames. Imagine rejoindre. Les machines les ont tous massacrés. Décidément, c'est une chance. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on sera pas en pénurie de potions ni de flèches. Hein, qu'on des machines patrouillent là-bas. On peut les marquer via le focus pour les garder à l'œil. Contre le feu. Attends, quoi avec le mode discret là, on est pour l'attaque. Mais rattacher un petit peu des fois l'action. Hein. Il y a une échelle à l'arrière. Savoir. Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées?
En tant que chef de guerre, Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être ? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. Si y a pas encapé un truc. Ah, il y en a trois. Il y a trois de ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Oseram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. Pédo, ça nous. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc ? Comment ? Je vais trouver. Attends-moi là. Aloy ! Je reviens. Et elle est repartie. Le diable est toujours la débrouillardise. Il suffit d'attendre. Si j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. Je vais peut-être maintenir en avance pour économiser des munitions. Puissante. C'est le deuxième là. Y'a un mec qui s'amène. T'as cette attaque puissante. Là. Oh mon don. Putain, le bon combat, elle est trop stylée. Attends, l'attaque puissante, ils font combien de temps chargé? Les piquets en position, les bons là. Ou pour rester en couvert. Question de timing. Après avoir utilisé mon grappin. Appuyez sur rond avant d'atteindre le point d'accroche pour jeter dans les airs. Ah. C'est bon. Ok. Tuer les Oseram en crachant de l'acide partout. Super. Ah.
ça bouge, ça bouge, ça bouge. La tempête empire. Et puis je me fais quoi là, vous seul? C'est bon. Ah, on va laisser après qu'ils se battent là-bas. J'ai vraiment la sensation d'altitude là. Je me fais quoi? Je me mets ça dessus à droite. Attention à l'œil. Attention, putain. Je, pourtant, c'est qu'un jeu, mais sans le vertige. Le tour prend longtemps, moi. À la suivante. Ah, on pense que là, toi, c'est peut-être... il remplace peut-être les espèces de... Mais il y a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Comme les toits là où ça on scanne les environs, un peu comme Assassin's Creed. Je pense que c'est ça. Bon, pas le choix, je dois monter. Hein? Cette endroit tient à peine debout. Aïe. Non, on a réussi. On dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Je parie qu'il y a une console près d'ici. Si j'arrive à ouvrir les fixations, la navette devrait tomber pile dans le bassin. Super. D'autres machines sur mon chemin. C'est plus simple. Ça compte la glace. On va tester. La barre d'XP à droite, mais même pas tout à l'heure, la barre bleue monte, mais là, la barre d'XP. On a clé là. La console de commande doit être ici. Bon. On l'a trouvé. Il est temps d'écraser ces machines en bas. Pourquoi les affronter, moi, demain? Ça n'a pas ma question, il y a des phases où on est tout seul et on balle. Vlad ou Vlad, je sais pas si j'appelle Vlad. Il est pire que moi. C'est pas tombé, hein. Pas tombé. On avait été prise dans ces câbles.
Je dois escalader la tour pour encore, essayer de les débrancher. Scanner avec mon focus pourrait être utile. Si je tire cette poutre, elle pourrait faire tomber l'ascenseur. Escalade ou comment ça va commencer? Il faut que je grimpe sur Tomb Raider pour pouvoir détacher les câbles. Je suis les raccords dans la navette. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, faut passer par là. Il fallait péter un truc en face en fait. Ce grincement ne me dit rien de bon. Je vais devoir détacher ces câbles rapidement. Sont bien cachés. Hein. Ça devrait être ici. Là. Ce connecteur maintient les câbles ensemble. Si je tire dessus, ça devrait le casser. Un point. Un moment. Non, il faut que je monte plus haut pour détacher le second ensemble de câbles. Alors attends, c'est combien de fois encore là? Faut qu'il saute, mais appuie rond. J'escalade une vieille tour brûlante alors que des machines tueuses m'attendent en bas. Mais je veux plus reculer. Un, hein? Non, encore un en bas. Faut essayer, tu m'envoies. Faut essayer. Allez, refrain. Bon, là. Refrain, bien loin. Hein. Pouvoir en finir à l'ancienne.
Je dois abattre ce monstre pour atteindre le centre de données. Je devrais scanner cette console. Il est où son point faible? Guess what? Et il est accouplé en bobine comment? Son compte. Enfin. Point de compétence. Dépenser les points de compétence. Tu le heal alors? Voilà. Alors, je vous a plu. Vous pouvez le retrouver au magasin Love Games Geek. Soit vous allez récupérer vous-même le jeu, soit ils vous font la livraison directement chez vous. Bon, vous avez envie de jouer? Alors, qu'est-ce que tu attends? Contact Bana, vite. Dépêche, allez, dépêche.